Yana, dépêche-toi, s'il te plaît, allez! Merde, les filles, je crois que j'ai pris du poids. Mon maillot de bain me sert trop. Mange des flocons d'avoine pour perdre du poids. Les filles, c'est bien d'être mince. J'ignore tous vos problèmes. Diana, je crois qu'on a échangé nos maillots de bain parce que le mien est beaucoup trop grand. Oh, Nastia, tu dois vérifier nos noms sur les maillots avant de le mettre. Ah oui, c'est bien le tien. Oui, Diana, c'est le tien. Changeons-nous vite, je veux pas perdre mon maillot dans la piscine. Alors les filles, vous faites quoi? Est-ce que vous allez vous baigner? On ne vous a pas appris à frapper? Et si on les échangeait aussi? Diana, il faut changer nos maillots de bain. Non, Nastia, mais quand tu nageras dans la piscine, tiens bien ton maillot de bain, sinon tu risques de le perdre. Allez, Diana, on va se changer. On n'a plus le temps. Rejoins-moi dans la ville de tes rêves. Ici, tu apprendras comment faire des manicures magnifiques, mais aussi comment te coiffer rapidement et réaliser des coiffures chics en choisissant des teintes tendance. Et créer un maquillage sophistiqué sera tellement amusant. Après tout, se faire belle est un art et tu le mérites. Diana, tu es prête? Aujourd'hui, je vais t'apprendre à nager. Smile, mais je sais déjà nager. Smile, tu te trompes, c'est Lialia qui ne sait pas nager. Lialia, je vais t'apprendre à nager aujourd'hui. Tu nageras après comme un poisson rouge. Très bien, Max. Arrêtez! Ne faites pas ça! 1, 2... Les gars, mettez-la à l'eau! Oui, les gars, balancez cette chèvre! Mettez-la à l'eau! Parce que quand je nageais tranquillement, elle m'a sauté dessus! Et quand je nageais, elle est montée sur moi. Elle m'a coulée, elle est trop lourde. Les filles, je suis tellement désolée. Je ne le ferai plus. Les filles, vous lui pardonnez? Non. 1, 2, 3. Yes! Voilà, Maroussia. Tu as ce que tu mérites. Petit oiseau, viens ici. Maroussia, c'est pas ma faute. Écoute, Maroussia t'appelle. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Sortez de la piscine. Vite! Quelle bande de fous! L'élite est sur le point de nager. 1, 2. Comment ça, l'élite? Nous aussi, on veut nager. Et 3. Ouais, et nous sommes là à regarder les deux tourtereaux monter et descendre de la piscine. Ouais, nous n'allions même pas nager. Je vais leur dire de sortir. Eh bien, c'est super. Sortez de la piscine. J'espère que personne n'a fait pipi dedans. Je ne veux pas apprendre à nager. Trop tard, Lialia. Trop tard. Partons d'ici. Sinon, je crois que je vais vomir en regardant cette élite nager. Patrick, allons faire une promenade dans le parc. Vas-y, je vais regarder les pom-pom girls nager. Je veux regarder aussi. Eh bien, je vais m'assurer que personne ne boit la tasse. C'est quoi ces gars? Ils veulent tous regarder les pop-up girls nager. Oh, je les déteste! Allons-y les filles! Regardez, Max est sur le point d'apprendre à Lialia à nager. Elle ne sait même pas nager. C'est excitant. J'attends que les pom-pom girls plongent. Je nage, Max! Je nage! Tu ne nages pas encore. Là, je te tiens. Tiens-moi, Max! Tiens-moi! Oui, je te tiens. Bien, Smile. Voyons comment tu nages. Je suis sûre que je peux te battre. Voyons qui peut nager plus vite. Smile! Je ne veux pas nager. L'eau est trop froide. Yana, calme-toi. L'eau est chaude. Quelqu'un peut me donner la main? Êtes-vous des gentlemen ou pas? Les gars, allez, encouragez-moi. Allez! Allez! Encouragez-moi! Allez, vas-y! Les garçons! Les garçons! Quoi? Franchement, c'est pas juste! Eux, ils nagent et pas nous! Faites quelque chose! Ouais, ils sont l'élite, ils nagent! Et nous alors? Les gars, laquelle des pom-pom girls préférez-vous? Toutes! Moi, j'aime bien Yana! Moi, j'aime Diana! Les filles, qu'est-ce qu'on va faire? Arrêtez de nous distraire! Nous admirons les pom-pom girls! Non, les gars, vous trouvez ça normal? Ils s'appellent l'élite, ils nagent! Mais est-ce qu'on est pire qu'eux? Nous aussi, on veut nager! Vous avez vu? Je nage! Max, je nage, hein? Bien joué, Lialia! Tu es vraiment douée! Smile, est-ce que tu peux me porter sur tes épaules et me jeter dans l'eau? Je ne comprends pas! Nastia, tu as perdu la tête? Tu es venue ici pour nager avec moi! Je voulais la jeter! Je vais la jeter moi-même! Bros, je veux sortir! J'ai très froid! Mais Yana, nageons encore un peu! Petit oiseau, regarde! Ils nous ont pas encore virés! On est comme l'élite! Comme quoi? Nous sommes déjà l'élite!
Les perdants, nous sommes l'élite. Diana, tu as entendu ce que Petit Oiseau et Maroussia viennent de dire? Quoi? Ils sont l'élite. Regarde, ils s'embrassent. Et ils s'embrassent aussi. Maroussia, nous devrions essayer aussi. Oui. Attends, on ne va pas sortir ensemble. Oui, je suis déjà avec Artyom. Alors pourquoi tu me dragues? Je ne te drague pas. Tu l'as dit que nous sommes l'élite et que nous nageons ensemble. C'est toi qui as commencé. Mais tu rêves ou quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que Maroussia et Petit Oiseau sont dans la piscine avec nous? Fais-les sortir. Les perdants, vous êtes perdus? Vous n'arrivez pas à trouver la sortie? Silence, Maroussia. Smile nage vers nous. Il va nous mettre dehors maintenant. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites ici? On est un couple d'amoureux. Oui. Sortez d'ici. Non, pourquoi on doit le faire? Parce que vous êtes les perdants. Sortez, vite. Les pom-pom girls, sortez de la piscine maintenant. Il y a des perdants qui nagent. Vous savez qu'ils salissent l'eau. Quoi? Max, fais-moi sortir d'ici. Lialia, j'ai envie de sortir. Les gars, on a été agressés par les pom-pom girls et les basketteurs. On doit se venger. Vous avez nagé, maintenant vous voulez qu'on vous aide à vous venger? Non, on doit se venger pour qu'ils n'aillent plus à la piscine demain. Et on nagera avec nos canons. Les seules beautés ici sont les pom-pom girls. Patrick, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'il fallait se venger. Attends, j'ai une idée. Non mais franchement, les perdants ne devraient plus revenir dans la piscine. Si on les revoit ici, ils auront des ennuis. Alors on peut continuer à barboter, pas vrai, bros? Yana, assez parlé. Allons préparer le dîner. Oui, les gars, et recouvrez la piscine avec la bâche. Oui, pour que demain on se baigne dans une eau limpide. Maintenant, je sais nager comme un chien. C'est quoi? Quoi? Kostia, qu'est-ce que tu fais? Kostia, non! Kostia! Alors, qui sont les perdants? Qui sont les élites? Kostia, c'est bon. On ne va plus t'embêter. Nage dans la piscine aussi longtemps que tu veux. Smile, parle-lui! Pourquoi moi? Laisse Bros s'occuper de lui. Bros, occupe-toi de lui. Pourquoi moi? Laisse Max s'en occuper. Très bien, Max. Tu es notre dernier espoir. Maintenant que tu m'as appris à nager, occupe-toi de Kostia. Bon, je peux apprendre à Kostia à nager aussi, mais je ne vais pas m'occuper de lui. Il est trop grand pour moi. Taisez-vous. Si vous nous traitez encore de perdants, je vous donne un bain dans la piscine. Vous avez entendu? Ne vous inquiétez pas. Les perdants, quand le camp sera terminé, la piscine vous manquera trop. Vous allez pleurer. Vraiment fort. Oui. Ok, les gars, on y va. Les perdants, vous pensez que vous nous avez fait peur avec cette moto? Je viendrai en voiture demain et je vous emmènerai faire un tour. Oui, voyez-vous ça? Vous vous prenez pour des élites, mais vous êtes des lâches. Vous savez, ils viennent d'abandonner maintenant. Mais plus tard, ils vont prendre leur revanche. Et ils vont nous... Maroussia et moi sommes des élites aussi. Nous avons nagé dans la piscine aujourd'hui. Kostia, tu as été incroyable. Oui, Kostia. Kostia, t'es le meilleur. Bravo, tu t'es pas dégonflé. Pourquoi Kostia est un héros? Et nous alors? Eh bien vous les gars, vous matiez les pom-pom girls. C'est ça. Les filles, c'est véritablement humiliant. Ce qui s'est passé près de la piscine aujourd'hui est une honte pour nous. Vous vous rendez compte? Nous avons perdu contre ces perdants. Diana, la honte c'est que nous sortions avec des lâches. On vient de se faire virer de la piscine par ces perdants. Je ne sais même pas qui. Les filles, ça fait un moment que je vous dis que vos basketteurs sont vraiment nuls. Les filles, vous avez vu que Kostia était sur une moto? S'il avait encore avancé un peu, il serait tombé dans la piscine. Pourquoi vous êtes en colère? Nous vous avons toujours protégé, mais cette fois ça n'a pas marché. Oh oui, est-ce que vous avez entendu ce bruit? Moi j'ai eu peur. Les gars, ne cherchez pas d'excuses, vous avez tout fait foirer. Rangez vos culottes, on doit accrocher nos uniformes. Smile, je crois bien que je vais te virer du camp. Je ne savais pas que tu étais aussi lâche. Ce ne sont pas vos affaires que vous devez faire sécher ici, mais vos cervelles. Max, tu as l'air si fort, mais en réalité tu es faible. Finalement, les pop-pom girls ont vu qui vous êtes. Les gars, c'est bon, on vous a assez vu pour aujourd'hui. Vous avez vu ça? Elles nous ont pris pour des lâches. Les gars, en ce moment, il vaut mieux ne pas se battre du tout, c'est dangereux. J'ai appris à Lialia à nager, elle pourrait au moins me remercier. Mais au lieu de ça, elle a ouvert sa bouche comme ça. Ne vous inquiétez pas, demain Yana viendra et dira « Bros, mon chéri ». À qui est cette culotte, Anastia? Bros, c'est à Yana. Oui, Diana n'est pas comme ça, elle ne me pardonnera pas. Eh bien, Lialia non plus. Les gars, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Mieux vaut sécher vos affaires. Eh bien, si c'est la culotte de Lialia, il vaut mieux ne pas la toucher. Et j'ai une place ici. Diana l'a laissée pour moi, je suppose. Vous vous rendez compte? Ce jour est enfin arrivé. Le jour où nous avons battu l'élite. Oui, les pop-pom girls et les basketteurs. Oh, regardez-les. Ces perdants sont tout fiers de nous avoir virés de la piscine.
Kostia, sans toi et ta moto, nous serions restés dans la piscine. Lialia, on n'est pas sortis à cause de la moto, mais parce qu'on avait froid. Oui, en fait, on avait froid. Maintenant, nos basketteurs vont venir vous botter le cul. Yana, ne te vante pas de nos basketteurs. Ils ne pourraient jamais frapper quelqu'un. C'est ça, les pop-pom girls. Calmez-vous, soyez pas nerveuses. Allons mettre nos maillots de bain et prendre un bain de nuit. Les gars, vous aussi? Nous venons. Les filles, c'est normal? On va les laisser s'en sortir comme ça? Les filles, vous me connaissez. Je suis si intelligente. On est toutes intelligentes. Lialia, apporte-le. Oui. Très bien, les perdants. Si vous voulez vous baigner dans la piscine, vos téléphones aussi prendront un bain. Donne-moi mon téléphone. Il y a ma photo devant le miroir. Il y a une vidéo de moi chantant aux toilettes. Mon téléphone est avec moi. Oh non, où est mon téléphone? Oh merde, mais quand est-ce qu'ils ont réussi à nous prendre nos téléphones? Pendant qu'on traînait avec les gars. Voyons voir. Kostia, qu'est-ce que tu as? Waouh, comme tu es mignon sur la photo. Devant le miroir, quel fond d'écran. Avec une magnifique culotte rouge ornée de petits cœurs. Groucha, et tu ne chantes pas seulement des chansons dans les toilettes, mais tu es littéralement assise sur les toilettes. Poussez-vous, rendez-moi mon téléphone. Rendez-moi mon téléphone. Voyons le téléphone de Marussia aussi. Marussia, qu'est-ce que ton téléphone a de si secret? Qu'est-ce que tu nous caches? Quoi? Est-ce que tu as aussi des photos secrètes? Arrêtez, il n'y a rien dans mon téléphone. Moi aussi, j'ai deux téléphones. Je garde les secrets dans le deuxième. S'il vous plaît, rendez-moi mon téléphone. D'accord, je ne suis pas une élite, je suis une perdante. Marussia, pourquoi tu rampes comme ça? Les filles, regardons la galerie de Marussia. Faisons-le. Oh mon Dieu! Waouh, quelle photo! Marussia, tu es une beauté. Une vraie. Arrêtez, je quitte le camp, c'est trop la honte. Marussia, c'est quoi cette photo? Je ne dirai rien. Marussia, Marussia, ne te fâche pas, tu es très belle. Oui, surtout avec cette culotte. Oui, oui, et avec des raisins. Vous ne comprenez rien, c'était un cadeau d'anniversaire de ma grand-mère. Et vous riez. Les pom-pom girls, ce n'est plus drôle. Rendez les téléphones, sinon vous allez avoir des problèmes. Cher Kostia, tant qu'on aura ton téléphone, il n'y aura pas de problème. Alors les perdants, prenez la porte sur votre droite et allez vous coucher. Et vite! Et n'oubliez pas de laver vos pieds sales. Vous avez vu les pom-pom girls à quel point on était cool? Quoi? Vous? C'est nous qui sommes cool! Alors allez vite vous laver les pieds et allez vous coucher. Vite! Très bien! On doit faire quelque chose pour que les pom-pom girls ne nous prennent plus comme des lâches. Demain, nous serons durs avec les perdants. Ok les gars, les joueurs de basket m'ont choqué. Quel genre de gars sont-ils? Ils n'ont même pas osé s'affirmer pour nous défendre. Aimez et abonnez-vous à la chaîne et attendez nos nouveaux épisodes. On va aussi se reposer. Bonne nuit à tous! Et au revoir!